optimiser votre design. Nous avons vu que la consommation de votre objet est le nerf de la guerre et que l'attention aussi est très importante. C'est pourquoi nous vous recommandons de bien optimiser votre design en choisissant des composants qui consomment le moins possible, notamment en mode veille. C'est le courant consommé en permanence qui a le plus d'impact sur la durée de vie de la batterie. Il faut être vigilant sur les courants de fuite de tous vos composants. Ils constituent une part non négligeable de la consommation de l'objet pour des applications d'une durée de vie de plusieurs années. Votre design doit également être optimisé en tension. Si vous diminuez la tension de seuil de votre application, vous aurez plus de choix dans les technologies de batterie. Vous pourrez, par exemple, utiliser des technologies de batterie d'une tension nominale de 3 volts et ainsi vous affranchir de composants supplémentaires tels que les supercondensateurs, par exemple. Une bonne optimisation d'un système permet souvent d'améliorer le rendement de la batterie et donc de prolonger son autonomie et sa durée de vie. L'optimisation du design consiste généralement à trouver un bon compromis entre niveau de tension, consommation et efficacité.